Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle organisée par la Fondation Van Allen et le Centre spatial universitaire de Montpellier. Je m'appelle Laurent Dussault, je suis professeur à l'Université de Montpellier, je dirige à la fois le Centre spatial universitaire de Montpellier et la Fondation Van Allen. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence, dont je voudrais tout d'abord préciser le contexte. Comme vous le savez certainement, il y a quelques semaines, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a lancé une campagne de recrutement pour une nouvelle promotion d'astronautes. Certains de mes étudiants qui souhaitaient candidater sont alors venus me trouver en me demandant quelques conseils, car ils savaient qu'au Centre spatial universitaire de Montpellier et à la Fondation Van Allen, notre raison d'être, c'est d'aider les étudiants à réaliser leurs rêves, et en particulier en leur permettant de travailler dans le spatial. Travailler dans le spatial, c'est une excellente idée, car non seulement les métiers du spatial sont passionnants, mais en plus, c'est un secteur qui recrute, et je dirais même en ces temps difficiles pour tous. Avec notre président, Jean-Claude Guessot, nous avons donc eu l'idée d'aller plus loin en faisant appel à deux invités de marque, deux personnalités qui connaissent particulièrement bien le métier d'astronaute, Madame Claudie Agnoret, qui est la marraine de notre fondation Van Allen, et Monsieur Michel Tonini, membre qualifié de notre conseil d'administration. Tous deux ont accepté sans hésiter de donner un peu de leur temps pour être avec nous aujourd'hui et vous faire part de leur expérience. Dans un second temps, ils répondront à quelques questions que nous avons tirées au sort parmi toutes celles que nous avons reçues. Alors, je ne peux en quelques lignes résumer le long CV de Madame Claudie Agnoret, qui est médecin rhumatologue, docteur Hertz Sciences, chercheuse en neurosciences et qui, dès 1985, a été sélectionnée par le CNES en tant qu'astronaute. De 1992 à 2001, elle a suivi l'entraînement des astronautes à la Cité des Étoiles en Russie. Elle séjourne en Russie pendant 9 ans. Elle a participé à deux missions spatiales, tout d'abord Cassiopée à bord de Mir, 16 jours dans l'espace, puis après avoir intégré le corps des astronautes de l'ESA, elle a participé à la mission Andromède, encore 10 jours à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. De 2002 à 2004, elle a été ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, puis ministre déléguée aux affaires européennes de 2004 à 2005. Notre deuxième invité, Monsieur Michel Tonini a lui aussi un CV très impressionnant. Il est diplômé de l'École de l'air, il obtient sa qualification de pilote de chasse en 1974 et intègre l'escadre de chasse Cambrai. En 1982, il est admis à l'Empire Test School Boscombe Down au Royaume-Uni, dont il sort avec un diplôme de pilote d'essai. Michel Tonini totalise plus de 4 500 heures de vol sur 80 types d'avions différents. En 1985, il est sélectionné en tant qu'astronaute par le Centre national d'études spatiales, le CNES, et en août 1986, il est désigné comme remplaçant pour la mission Soyouz TM7. En 1995, il suit un entraînement d'astronaute au Centre Johnson de la NASA à Houston, et en 1992, Michel Tonini réalise son premier vol à bord de la station Mir dans le cadre de la mission Antares. Pendant 14 jours, il mène un programme d'expérience franco-soviétique. Le second vol spatial, lors de la mission STS-93, a lieu du 22 au 27 juillet 1999, où il était principalement chargé d'aider au déploiement du télescope Chandra et il s'était également préparé à une sortie dans l'espace. De 2003 à 2011, Michel Tonini occupe le poste de chef de la division des astronautes de l'EAC, le corps des astronautes de l'ESA, puis il a été chef de ce corps à Cologne pendant plusieurs années. J'en profite pour dire que Michel Tonini vient de sortir un nouveau livre intitulé Un café dans l'espace, et je vous invite à lire cet ouvrage parce qu'il est absolument passionnant. Alors, je sais que vous êtes tous impatients d'écouter nos deux invités, mais il ne reste plus qu'à vous confirmer, si vous n'étiez pas encore convaincu, que travailler dans le spatial, c'est un rêve qui est accessible à tous, et j'insiste, aux filles comme aux garçons. Derrière les astronautes qui sont en vitrine, il y a de nombreux métiers qui sont passionnants, les métiers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. L'Université de Montpellier propose en particulier deux formations dans le domaine. La première est une licence professionnelle assemblage, intégration et test des véhicules spatiaux à l'IUT de Nîmes, qui est accessible après un BTS ou un DUT. Nous avons également un diplôme à bac plus 6 pour des ingénieurs déjà diplômés qui souhaitent faire une spécialité, pour former des ingénieurs systèmes spatiaux, j'entends, et ce diplôme est porté par l'École Polytechnique Montpellier. Je voudrais aussi saluer l'IUT de Béziers qui travaille également sur un projet de station sol.
Grâce à ces mécènes, la Fondation Van Allen finance des stages au Centre spatial universitaire de Montpellier pour travailler sur nos projets de nanosatellites et peut-être un jour vous permettre de devenir astronaute. Je vais maintenant passer la parole à notre première invitée, Madame Claudie Aigneret. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Bonjour, bonjour à tous et merci infiniment à Laurent Dussault pour cette introduction. Alors sachez déjà que je suis très fière et très honorée d'être la marraine de cœur de la Fondation Van Allen et de connaître un petit peu mieux toutes ces activités qui sont portées par le Centre Spatial Universitaire. Mais ravie aujourd'hui d'avoir, je pense, un public beaucoup plus large sur effectivement ces métiers du spatial et en particulier avec l'actualité du nouveau recrutement de l'Agence spatiale européenne, le métier d'astronaute. Et je vais avoir grand plaisir à vous en parler un petit peu, puis ensuite répondre à vos questions. Alors, effectivement, vous le verrez, il y a plusieurs profils d'astronautes et je dirais que je fais partie de la même sélection que Michel Tonini. Nous avons été sélectionnés par le CNES en 1985 dans une sélection où les profils étaient déjà larges puisque je ne suis ni militaire ni pilote et que je suis un médecin rhumatologue ayant ensuite complété sa formation par une thèse en neurosciences. Et souvent, on pose la question, comment un médecin rhumatologue devient astronaute? C'est vrai qu'en général, il y a un très fort désir de participer à cette aventure et que pour moi, ce désir, il est né avec un rêve d'enfant en juillet 69, où à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de voir le premier pas de l'homme sur la Lune, quelque chose qui m'a vraiment fascinée, entrouvert les portes de quelque chose qui pouvait être possible. Et quand l'opportunité à l'hôpital où je travaillais s'en est présentée en 85, j'ai tenté ma chance et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Alors, à cette époque, la sélection, c'était 1000 candidats. Et parmi ces 1000 candidats, il y avait 100 candidatures féminines, donc 10%. Et j'ai eu la chance d'être la femme dans cet ensemble de 7 personnes avec des profils différents, comme je le disais tout à l'heure. J'ai complété donc ma formation en faisant 5 années dans un laboratoire du CNRS pour cette thèse de science et de rentrer en contact avec une coopération très large, aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis ou le Japon. Et je suis partie en 92 à l'entraînement à la Cité des Étoiles près de Moscou. Je me suis formée donc sur la capsule Soyouz, la fusée Soyouz, fusée porteuse, et puis la capsule Soyouz qui m'a à deux reprises emmenée en orbite, une première fois en 96 à bord de la station Mir, qui ensuite, vous le savez, a été désorbitée, et en 2001, à bord de la Station spatiale internationale, dans un format qui a été vraiment un embryon de station spatiale par rapport à celle que vous connaissez aujourd'hui en suivant les aventures des astronautes européens, et en particulier Thomas Pesquet, dont nous savons tous que dans moins d'un mois, dans 3 semaines maintenant, il va repartir à bord du Crew Dragon, cette fois-ci, et non plus le vaisseau Soyouz, pour rejoindre la station spatiale. Moi, à l'époque, en 2001, il y avait un module russe, un module américain et un nœud de jonction. Donc, un tout petit embryon de station. Mes formations successives à la Cité des Étoiles m'ont permis d'élargir mon champ de compétences. Ma première mission, j'étais ce qu'on appelle le cosmonaute expérimentateur, c'est-à-dire responsable du programme scientifique. Un programme scientifique très large, avec des expériences préparées par les laboratoires français et les laboratoires russes. Et qui comportait des expériences dans le domaine de la physiologie, de la biologie, de la physique des fluides, physique des plasmas, physique même de l'atmosphère et des développements technologiques. Ma seconde mission, après des entraînements successifs, j'étais l'astronaute ingénieur en place gauche du vaisseau Soyouz. Donc j'avais acquis une formation un peu d'ingénieur, pas complètement par rapport à vous qui êtes ingénieur et qui avez ces 5 années d'études. Moi, je l'ai appris sur le tard, cette formation, mais en capacité donc, de gérer les phases dynamiques de la mission, l'amarrage et puis la maintenance et l'utilisation de la station en dehors de son programme scientifique. Voilà, des aventures absolument merveilleuses, passionnantes, fascinantes, tant sur le plan scientifique que sur le plan technologique, sur le plan opérationnel. J'ai eu cette chance
d'arriver en 92 à la Cité des Étoiles, à un moment donné où on passait de l'Union soviétique à la Russie, donc dans un environnement qui était très franco-russe, dans des liens très forts de coopération, et puis qui s'est ouvert à l'Europe avec les astronautes européens de l'Agence spatiale européenne à cette époque qui participaient à des missions qu'on appelait Euromir. Je suis moi-même, j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne en 1999, quand l'ensemble des pays européens ont décidé de mettre en commun leur pool d'astronautes dans un corps unique qui était celui des astronautes européens. Et donc, ma seconde mission en 2001, j'avais des programmes de travail expérimentaux qui étaient européens, participant aux expériences américaines, russes et spécifiquement françaises organisées par le CNES, bien sûr. Donc, un très, très large panorama d'expériences à réaliser. Donc, c'était une grande aventure, mais je dirais aussi une aventure humaine, parce que passer d'un monde un petit peu, je dirais, fermé. J'évoque Gagarine, la Cité des Étoiles, c'est le lieu de vie et de mémoire de Gagarine qui est présent à chacun des croisements ou des bâtiments. Donc j'ai eu cette chance de vivre avec ceux qui étaient un peu les mythes de mon enfance, Gagarine, Valentina Tereshkova ou Alexei Leonov, qui étaient des compagnons de séjour, pas Gagarine bien sûr, mais le 12 avril va être un moment fort puisqu'on fêtera les 60 ans du premier vol d'un homme dans l'espace, le 12 avril 61. Et cette aventure qui s'est ouverte donc à l'Europe et à la coopération opérationnelle avec les partenaires américains, japonais, canadiens, pour constituer, fabriquer, exploiter, mettre en œuvre la Station spatiale internationale. Donc vous imaginez cette évolution effectivement du paysage. On y reviendra probablement aujourd'hui parce que je trouve que le 21e siècle est là aussi plein d'opportunités, d'ouverture et de transformation du paysage, en particulier avec des entreprises privées à côté des agences institutionnelles qui sont un paysage très différent de ce qu'on a vécu à l'époque. Mais voilà, moi, je garde un souvenir absolument ému de l'aventure humaine. Et je dis un petit peu à tous ceux qui ont ce rêve aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans cette aventure, oser l'aventure, l'aventure humaine, elle est absolument extraordinaire. Et sur le chemin, même si le chemin ne va pas jusqu'au bout du rêve, on découvre vraiment des choses formidables. Et j'ai eu la chance donc d'avoir deux missions réussies qui m'ont ouvert ensuite beaucoup d'opportunités. Laurent Dussault l'a évoqué. J'ai accepté de rejoindre donc le gouvernement pour deux fonctions ministérielles entre 2002 et 2005, des fonctions de conviction et d'engagement puisqu'il s'agissait de la recherche et des affaires européennes qui sont les piliers de ma vie et encore aujourd'hui. Puis quelque chose qu'il n'a pas évoqué, mais que je trouve très important, j'ai pris la tête de l'établissement qu'on appelle Universcience, qui est le palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie, passionnée par tout ce que l'éducation, l'inspiration par l'éducation, la compréhension des enjeux scientifiques, techniques, du débat quand on est face au doute, face à l'incertitude. Et voilà, piloter pendant 6 années, cet établissement magnifique a été une expérience de vie tout à fait extraordinaire. Et puis bien sûr l'Europe, qui est au cœur de mes engagements, la politique spatiale européenne, bien évidemment. Et depuis 5 ans, auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne, j'ai eu la chance de travailler sur les projets lunaires. On va beaucoup parler de l'orbite basse, des stations spatiales, mais vous savez tous qu'on est en attente et en préparation de l'étape à venir qui sera un vol autour de la Lune, puis un retour sur la surface de la Lune avec la mise en place d'infrastructures plus permanentes pour apprendre à y vivre et y travailler et qui peut être un marchepied pour aller plus loin, seconder, je dirais, le rover Perseverance qui est aujourd'hui à la surface de Mars. Et l'objectif, effectivement, d'un vol habité martien, même s'il est encore éloigné, est sur la ligne de mire de cette expansion de notre humanité par les techniciens, les ingénieurs, les scientifiques et puis aussi les astronautes pour aller de l'orbite basse à la Lune et puis vers Mars. Je crois que je vais m'arrêter là, laisser la parole à Michel et puis ensuite me prêter avec beaucoup de plaisir au jeu des questions-réponses. Merci Claudie. Donc ma carrière, elle est un petit peu
celle qu'a expliquée Claudie. Hein. J'ai commencé par faire un vol chez les Soviétiques, un entraînement chez les Soviétiques à la Cité des Étoiles, puis un vol après chez les Russes en 92. Avant ça, j'ai fait une carrière de pilote de chasse, pilote d'essai. Et moi, ma motivation pour être astronaute, c'était surtout la motivation pour être pilote de Hermès, qui était la navette spatiale européenne qui aurait dû décoller au-dessus de la fusée Ariane 5. Ce projet a commencé dans les années 85, au moment de la sélection, et je m'étais porté volontaire pour ce programme-là. Donc, j'ai fait un vol chez les Russes en 92, et quand j'ai fini mon vol, ce programme a été abandonné. Juste après ça, en 93, les Russes ont signé l'accord de coopération sur la station spatiale ISS, que nous avons aujourd'hui, et c'était pas un programme qui était facile à mener en parallèle entre Russes et Américains. Et donc là, je suis parti à la NASA pour aider un petit peu les Russes et les Américains à faire cette coopération de manière plus fluide, ce qui m'a amené à faire un entraînement en 95 à la NASA avec la promotion des astronautes de l'époque qu'on appelait les escargots, parce qu'on était un petit peu en retard dans notre promotion. On a mis 3 ans pour arriver sur la NASA. Et ensuite, j'ai fait un vol en 1999 sur la navette Columbia, qui, pendant ce vol, on a mis en place dans l'espace un télescope qu'on appelle Chandra, qui s'appelait avant AXAF, et qui permet de récupérer les rayons X qui sont émis par les trous noirs, les étoiles à neutrons, les quasars, tous les phénomènes stellaires assez importants. À la suite de quoi, j'étais encore à la NASA et je m'apprêtais à faire un troisième vol lorsqu'il y a eu l'incident de la navette Columbia en 2003. Et à ce moment-là, je suis parti, plutôt que d'attendre 3 ans à attendre un vol éventuel, j'ai préféré partir en Europe et j'étais au départ à Cologne comme chef de division des astronautes, puis après responsable du centre des astronautes jusqu'en 2011. Et ça m'a amené à principalement faire fonctionner tous les programmes de coopération entre l'Agence spatiale européenne et les autres partenaires de l'ISS, et aussi à recruter des astronautes européens, les 6 que nous avons aujourd'hui, dont Thomas Pesquet, et dont on est fier parce que les 6 ont très bien réussi leur vol. Et depuis 2011, eh bien, je travaille en coopération étroite avec Van Allen. Je crois beaucoup à ce qui est nanosatellites et microsatellites pour le futur. D'ailleurs, les images du canal de Suez, les premières ont été faites par des nanosatellites à photographie assez importante et ont donné des résultats qui étaient très très bons. Et je travaille aussi en parallèle avec d'autres programmes qui sont, par exemple, de faire des petites fusées pour lancer ces nanosatellites comme Spark Orbital. Voilà. Et donc maintenant, je suis prêt et très content de pouvoir répondre aux questions de tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous les deux pour ces interventions. Monsieur Tonini, Madame Agnoret, vous avez toujours soutenu sans faille les actions de la Fondation Van Allen, celle-ci prioritairement à destination des jeunes. Et c'est particulièrement important dans le contexte actuel. On connaît la détresse de beaucoup d'étudiants qui sont confinés et qui ont du mal à accéder aux installations pour venir étudier à l'université, à l'IUT ou dans leur structure. Je suis sûr que vous avez créé des vocations d'astronautes, d'ingénieurs ou de techniciens. Et donc, un grand merci à tous les deux. Comme je disais en démarrant, nous avons reçu un grand nombre de questions et nos invités ne pourront pas répondre à toutes. Donc, je m'excuse par avance si votre question n'a pas été posée. Mais nous allons démarrer. Alors, il y a 3 grandes thématiques qui se sont dégagées. Et la première de ces thématiques concerne le parcours scolaire. Donc, nous avons une première question de Sophie du Collège du Jeu de Mail qui demande « Quel parcours serait pertinent pour un jeune qui voudrait être astronaute aujourd'hui ?» Merci. Madame Agnoret, votre micro. Je pense qu'il n'est pas activé. Je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui. Oui. Vous m'entendez? D'accord. Donc, je commence, et cette question, elle est importante. Alors, vous tous qui nous écoutez, vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour tenter votre chance dans le recrutement que l'Agence spatiale européenne a annoncé mi-février, recruter donc de nouveaux astronautes pour l'Agence spatiale européenne
pour ceux qui seraient dans le champ des compétences pour se lancer dans l'aventure. Les dossiers sont à télécharger à partir de demain, donc 31 mars, jusqu'au 28 mai. Donc 2 mois pour récupérer ce dossier, le compléter, puis ensuite entrer dans le grand jeu de la sélection. Alors, au niveau de l'Agence spatiale européenne, la sélection, vous le verrez si vous allez sur le site de l'agence et vous lisez les éléments pour candidater. C'est un master, donc une formation quand même bac plus 5, mais dans un champ très large qui peut être ingénieur, pas seulement les ingénieurs en aéronautique et spatiale, mais ingénieurs de tout type, formation de niveau universitaire dans des domaines, bien évidemment, des sciences du vivant, des sciences physiques, des sciences vétérinaires, enfin tout ce que ces profils qui ont déjà volé peuvent compléter dans les expertises de l'équipage. Pilote, bien évidemment, donc militaire et civil, c'est ouvert, et vous le verrez, ça l'était déjà en 85 et en 2008, bien évidemment, jeunes filles et jeunes garçons sont invités à candidater. Alors, j'insiste un tout petit peu pour les jeunes filles, peut-être qui nous écoutent. J'ai évoqué tout à l'heure que la sélection de 85, il y avait 10% de femmes candidates, d'où une femme sur 7. La sélection 2008, il y avait 15,6% de candidates, d'où Samantha Cristoforetti dans l'équipe des 6, 6 plus 1, puisque Mathias Maurer fait partie de l'équipe maintenant. Et donc, c'est vrai que l'Agence spatiale européenne souhaite élargir cette diversité des profils et essayer de faire monter un petit peu le vivier des candidates pour qu'au moment de la sélection puisse représenter davantage la diversité des talents de notre société. Donc, ça nous amène à démarrer un petit peu quand on a déjà ce bagage universitaire, et il est souhaité d'avoir une expérience professionnelle, opérationnelle. Et ça, je pense que c'est important, parce que non seulement on demande des bonnes capacités intellectuelles, cognitives, mais aussi la capacité pour ces astronautes de s'intégrer dans des équipes avec le sol, des équipages pendant la mission, et de pouvoir effectivement être des opérateurs de systèmes complexes. Donc, pouvoir démontrer qu'on a sur le terrain cette capacité à être dans l'opérationnel, c'est quelque chose qui est souhaité pour candidater. Donc, on approche de 26, 27, 28 ans pour démarrer. Et vous verrez que le profil est ouvert jusqu'à 50 ans environ. Enfin, ce n'est pas écrit dans le texte de la candidature, mais l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les astronautes recrutés puissent vraiment démarrer une carrière d'entraînement, d'avoir une possibilité d'un vol, deux vols, trois vols, ce qui veut dire 10, 15 ans de carrière. Pour ma part, j'ai eu 15 ans de carrière active d'astronaute. Donc voilà, si vous avez entre 26, 27 et 50 ans, que vous avez le désir, la compétence de base, les autres compétences, vous allez les acquérir. On ne demande pas des super héros. Il faut être bien évidemment en bonne condition physique parce que les examens médicaux seront importants. Les examens sur le plan psychologique, je le disais tout à l'heure, s'intégrer dans un équipage, travailler avec de la complexité, dans l'expatriation aussi, hein, parce que bien évidemment, surtout que la Station spatiale internationale et les vols à venir, les entraînements vont avoir lieu de plus en plus dans les multiples pays coopérants. Donc voilà, tous ces points-là sont à avoir en tête. Mais si vous faites partie de ceux qui réunissent les critères de départ, demandez un dossier. Seuls ceux qui auront demandé un dossier et l'auront rempli auront une chance d'aller jusqu'au bout de la sélection. Très bien, merci pour cette réponse très complète. Nous avons une question de Samy qui nous demande quel conseil vous auriez pour les futurs candidats comme lui à la sélection d'astronautes qui débute le 31 mars prochain. Michel, peut-être ? Alors, Claudie a bien répondu à la question qui est un petit peu similaire. Le conseil, tout dépend à quel niveau on est. Si on a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ce n'est pas la même chose. Mais disons que il y a 3 choix principaux pour être astronaute, soit la carrière comme Claudie, qui est scientifique, soit la carrière comme, par exemple, Jean-François Clairvoyt, qui est ingénieur, soit la carrière comme moi, qui est pilote de chasse, pilote d'essai. Donc, les trois choix sont des choix qui sont valides.
Et ce qu'il faut, c'est avoir au moins un master, voire un doctorat au niveau scientifique. La différence qu'il y a, c'est que si aujourd'hui, dans les sélections, si on a juste un cursus uniquement universitaire, il est bon d'avoir une occupation opérationnelle à côté. Hein. C'est comme ça que, par exemple, dans la sélection que j'ai organisée en 2008, on a pris Alexander Gers, qui était parachutiste professionnel. Donc, on savait qu'il avait fait beaucoup d'opérations. Donc, c'est bien d'avoir un double profil opérationnel et scientifique. Donc, avoir une activité, quelle qu'elle soit, ça peut être de la montagne de haut niveau, hein, de la montagne haute altitude, ça peut être du vol en avion, ça peut être du vol en plein air, ça peut être de la plongée sous-marine. Une activité qui prouve un peu que la personne saura bien réagir en cas de stress s'il y a un incident assez grave. Et ensuite, bien faire ses études, faire des études que l'on aime aussi. Il ne faut pas se forcer à faire des études, par exemple, de pilote de chasse si on n'aime pas piloter. Il y a des gens qui sont malades en vol, donc ce n'est pas la peine de faire ça, bien sûr. Mais disons que faire un bon niveau d'études et puis y croire. Et puis, comme a dit Claudie, surtout se présenter. Hein, parce que si même il y a une chance minime pour être sélectionné, il y a zéro chance si on ne se présente pas, mais il y a une chance minime si on se présente. Donc, il faut se présenter. Et moi, au début, quand je me suis présenté, mes chances n'étaient vraiment pas très, très bonnes. Et puis, à force de chaque sélection, chaque étape m'a permis de consolider l'étape d'après. Avoir une bonne condition sportive, mais comme a dit Claudie, ce n'est pas la peine d'être des marathoniens ou des bodybuilders, mais avoir une bonne condition physique équivalente en cardio et aussi en activité musculaire et se présenter à cette sélection-là. Il y aura toujours un avenir pour les astronautes. Voilà. Je rajoute peut-être deux petits éléments. Les langues, c'est quelque chose d'important, puisque la question était comment on se prépare. C'est vrai que bon, aujourd'hui, bien évidemment, au-delà de sa langue maternelle, l'anglais est important, mais bien sûr le russe. Pour nous, on l'a appris sur le tas, Michel et moi, mais on a passé 10 ans de notre vie en Russie. Voilà, et d'autres langues européennes et éventuellement le chinois, même si c'est pas du tout obligatoire, mais on sait bien qu'il y a aujourd'hui d'autres pays qui sont dans cette construction de structures orbitales, de vol habité, et pourquoi pas à un moment donné pour la jeune génération se dire que les partenariats seront ouverts. Et puis sur la sélection de l'Agence spatiale européenne qui est lancée donc demain, l'idée c'est de recruter quelques astronautes, il n'y en aura pas beaucoup, des astronautes professionnels qui vont être recrutés par l'Agence spatiale européenne et démarrer immédiatement leur entraînement. On dit entre 4 et 6, il n'y a pas de chiffres complètement prédéfinis, mais avec l'idée d'avoir aussi un pool de réserve, c'est-à-dire les candidats qui seront arrivés dans les 10 ou 20 derniers meilleurs, mais il n'y en aura pas 20 qui seront recrutés au sein de l'agence, mais une dizaine, quinzaine d'astronautes qui seront des astronautes de réserve, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans leur corps d'origine, dans leur hôpital s'ils sont médecins, dans leur université s'ils sont chercheurs, dans leur labo, dans, pourquoi pas, leur entreprise privée s'ils sont ingénieurs déjà en activité ou dans les forces armées s'ils sont militaires. Ils resteront dans leur corps d'origine, mais si des opportunités ce profil, qui ne sont pas aujourd'hui négociés avec les partenaires avec qui on travaille sur ces opportunités de vol, qui auront la possibilité, après une formation de base, d'entrer dans un cycle d'entraînement et de réaliser une mission. Donc voilà, c'est un petit peu plus large que les sélections qu'on a connues jusqu'à présent. 4 à 6 astronautes professionnels de carrière et puis une dizaine, quinzaine d'astronautes de réserve qui pourront profiter d'opportunités de vol qui se présenteraient. Si, une question de Hussein Saïd qui demande quelles nationalités sont éligibles pour participer au concours de sélection d'astronautes. Michel ? Alors, il faut appartenir à l'Agence spatiale européenne, donc les pays membres de l'Agence spatiale européenne, aujourd'hui je crois que c'est 22 pays membres, tous ces pays membres peuvent se présenter bien sûr. Après, c'est vrai que c'est une sélection qui est faite sur les meilleurs. Les meilleurs seront pris, donc les pays qui se présenteront avec les meilleurs candidats auront plus de chances d'être reçus, bien sûr. Et après, il se pose la question aussi de dans les pays membres de l'Agence spatiale européenne, quels sont les pays qui participent financièrement à l'ISS ou pas. Mais c'est pas un obstacle très très important, puisque dans la sélection précédente, on a bien pris un astronaute anglais, alors que l'Angleterre ne, ne,
participe pas financièrement à l'ISS. Donc, c'est pas, on a pris cet anglais parce qu'il était vraiment excellent. Donc, c'est plus l'excellence qui compte que la participation financière à l'ISS. Très bien. Alors, nous avons une question de Lilou, qui est, à mon avis, une question un peu piège et qui va faire la transition vers la deuxième thématique des vols habités. Donc, elle nous demande, accepteriez-vous de nous parler de vos échecs et que vous ont-ils enseigné ? Je vais bien commencer. Lilou a raison de poser la question des échecs, parce que même si Michel ou moi, ou bien évidemment Thomas Pesquet aujourd'hui et nos autres collègues astronautes, on est souvent devant la scène pour raconter les succès, les missions réussies, quelle que soit la vie qu'on a, même si elle a beaucoup de succès, il y a toujours des échecs ou des choses qui ne sont pas passées comme on les aurait souhaitées, qui jalonnent. Et ça, c'est bien normal. Et je trouve qu'au contraire, justement, quand des échecs se présentent, parfois, ça oblige à se remettre en question, à se dire peut-être faut-il que je change, ou alors je me suis lancée trop tôt, ou alors je n'étais pas accompagnée par les bonnes personnes pour un chemin difficile. Donc, je trouve que d'être interpellée par l'échec, c'est quelque chose d'important. Moi, je n'aurais pas d'échecs à raconter dans le cadre des missions spatiales, parce que j'ai eu la chance d'avoir des missions nominales, super bien préparées, avec les équipes au sol, des instruments qui ont bien fonctionné, et donc tout s'est très bien passé. Par contre, très souvent, j'évoque un échec dont j'étais responsable, mais voilà, quelque chose qui m'a laissé beaucoup de frustration. J'étais la ministre déléguée en charge des affaires européennes entre 2004 et 2005, et pour les plus jeunes, c'est même pas un souvenir, mais pour d'autres, ça l'est. 2005, c'était le référendum français sur le traité constitutionnel de l'Union européenne, et la France a répondu non, et j'étais la ministre qui portait ce traité et ce référendum. Donc c'est vrai que j'ai cette frustration d'européenne de ne pas être arrivée à trouver la pédagogie, les mots, la façon d'emporter la conviction sur le fait que l'Europe, quand elle est unie, quand elle a des objectifs partagés, elle peut être capable vraiment de porter des ambitions. Alors voilà, ça je l'ai vécu effectivement comme quelque chose de difficile dans ma vie, ce qui m'a probablement conduit d'ailleurs à revenir ensuite à l'Agence spatiale européenne pour travailler sur la politique spatiale européenne, et je le disais aujourd'hui, pour travailler sur les programmes lunaires à venir, en essayant de soulever, voilà, de motiver, de faire adhérer un petit peu l'ensemble des pays européens sur cette vision qu'on pourrait avoir d'une Europe qui, avec ambition, son excellence technologique, ses talents, ses ressources humaines, et vous en faites partie, vous tous, les étudiants qui nous écoutez, pourraient participer avec ambition, visibilité, un apport essentiel à cette suite de l'aventure de l'exploration habitée. Et j'espère beaucoup que l'Europe sera très présente, non seulement par quelques astronautes, et je souhaite que ça puisse arriver, mais aussi parce qu'elle va pouvoir apporter dans la contribution à penser, je dirais souvent entre guillemets, un ailleurs. Comment peut-on vivre, travailler ailleurs, dans un environnement qui est contraint, qui est hostile? Et voilà, j'ai compensé ma frustration du non-français au référendum en m'engageant fortement sur une vision européenne ambitieuse pour la suite. Merci, Madame Agnoret. Michel, avez-vous quelque chose à rajouter ou une anecdote? Alors, Claudie a parlé d'un échec au niveau professionnel, d'une dimension assez grande, enfin, au niveau collectif. Moi, j'ai eu un échec au niveau personnel, hein, donc. En 1985, je suis sélectionné comme astronaute. Avant, j'avais été pilote de chasse, pilote d'essai. Donc là, je me retrouve à 35 ans, pilote de chasse, pilote d'essai, astronaute. Donc j'étais un petit peu intouchable, infaillible. On a souvent tendance à dire bon, on a vraiment bien réussi. Et là, je commence à apprendre le russe. Et on devait partir faire une sélection médicale en Russie, en URSS à l'époque, en 86, je pense. Et juste avant, les Russes viennent nous voir pour nous faire une autre sélection. Et avant ça, on fait encore une sélection médicale, une vérification médicale avant qu'on nous présente aux soviétiques. Et pendant cette vérification médicale, les médecins me trouvent un problème médical assez important.
de taches au fond de l'œil qui étaient assez graves pour les médecins. Donc, du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'étais ni astronaute, ni pilote de chasse, ni pilote d'essai. Donc, j'ai tout perdu en un quart d'heure d'examen médical. Il y avait deux médecins qui m'ont observé, qui m'ont dit « oui, c'est grave, ça peut être même la mort dans 3 mois ». Donc, je suis parti le lendemain, je suis parti retourner chez moi et j'ai commencé à travailler sur des radars de Biscarrosse. Donc, j'avais un travail tout à fait à l'envers de ce que je faisais jusqu'alors. Donc, j'ai eu une profonde déception. Et ce que je peux conseiller, ce que j'ai fait moi, c'est que quand on a un problème grave comme ça, un problème vraiment personnel, médical, qui touche vraiment la santé et auquel on est un peu impuissant face à cette chose, c'est que je me suis laissé descendre jusqu'au fond, hein, donc j'ai tout touché le fond, comme on dit. Et puis, une fois qu'on a touché le fond, après, j'ai dit, bon, maintenant, on va se rebâtir. Donc, toucher le fond, ça m'a pris quand même une semaine, 10 jours même. Et après, je me suis rebâti avec des référentiels que j'avais identifiés chez moi qui fonctionnent bien, qui sont des référentiels de sport. Donc, j'ai fait du sport tous les jours, régulièrement. Et puis la lecture, et puis les amis, enfin des choses de base, hein, les amis, la famille, la lecture, le sport. Et j'ai commencé à me remonter. Et puis le mental est remonté au bout d'un mois. Je m'occupais toujours des radars, mais ça remontait bien. Et puis, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit, ce n'est pas possible d'en être arrivé là. J'ai dit, ce n'est pas possible d'avoir fait quand même 15 ans de carrière pour tout d'un coup tout perdre en une fois. Je n'y croyais pas. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Je croyais à ma bonne étoile. Et ça m'a bien servi parce que les gens de Paris, du CNES, m'ont dit, écoute, Michel, les Russes viennent la semaine prochaine, ils veulent te voir. Donc, j'ai dit, moi, j'ai un problème avec les yeux. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, ils viennent avec un opticien. Alors, un ophtalmo. Quand j'ai compris que les Russes venaient de Russie avec un ophtalmo, j'ai dit, là, il y a un espoir vraiment grand. Et je me retrouve à Paris, donc, pour la sélection. Et là, les Russes arrivent. Moi, j'étais parti de tellement bas que je suis monté j'avais une force en moi qui était bâtie par l'échec. L'échec, en fait, vous donne une force. Donc, je me suis retrouvé vraiment fort et ça s'est bien passé avec les Russes. Et puis, les Russes m'ont dit, bon, il est bon, hein, c'est un petit détail, nous, on le prend comme ça. Donc, je suis parti et j'ai fait ma sélection en Russie avec toujours cette même force et ça m'a permis de tenir le premier entraînement en URSS. Donc, un échec, ce n'est pas forcément mauvais. Il faut bien le gérer. Ce que je conseille, surtout quand vous avez un échec, c'est bien le reconnaître. Moi, je vois des gens qui ont des échecs et puis qui se voilent la face devant l'échec. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire, bon, on a un échec. Il faut tomber, toucher le fond et après se reconstruire avec des fondamentaux, hein, qui sont les référentiels. Moi, c'était le sport, la lecture, la famille. Mais ça peut être autre chose. Mais chercher des référentiels qui sont plutôt sains que malsains. Voilà. Merci pour ce précieux conseil. Une question de Marie-Laure sur les vols habités. Quel a été le symptôme physiologique que vous avez trouvé le plus impactant pendant et au retour de votre vol ? Madame Aigneret ? Oui, alors, moi, comme vous l'avez expliqué, Laurent, tout à l'heure, j'ai fait 2 missions de courte durée. La première mission, c'est une mission de 16 jours et la seconde mission, une mission de 10 jours. Donc, sur des temps aussi courts, on ne voit pas apparaître ce déconditionnement qu'il faut absolument surmonter au niveau en particulier musculaire et osseux. Et c'est pour ça que vous voyez sur les expéditions de 6 mois aujourd'hui, les astronautes qui font 2 heures par jour de l'exercice physique pour maintenir la tonicité musculaire et maintenir la densité osseuse, qui peuvent être donc effectivement pénalisants sur les vols de longue durée si on ne s'y prépare pas pendant le vol. Sur un vol de courte durée, moi, je dirais que j'ai ressenti un petit léger inconfort les premières 24 heures, c'est-à-dire quand vous arrivez dans cette situation de microgravité, qui est bien évidemment une situation différente de celle que vous connaissez habituellement. Au niveau de vos schémas moteurs, il faut trouver la bonne façon de se déplacer, de donner ses impulsions pour aller d'un point à un autre. Donc, reconstruire un petit peu ce qu'on appelle ces patterns moteurs de déplacement. Il faut aussi retrouver ou organiser une bonne orientation par rapport à des références qui ne sont pas nos références habituelles de terrien dans le champ de gravité, avec une verticale et une horizontale. Et on a des capteurs pour ça, nos otolithes et notre appareil vestibulaire pour le mouvement. Donc, c'est un petit peu désorientant au départ de se plonger dans cette troisième dimension qui ne nous est pas habituelle quand on est au sol.
Et puis, les premières 24 heures, c'est aussi le moment où se fait cette redistribution des fluides dans l'organisme, puisque l'effet de gravité ne se faisant plus sentir, il n'y a plus de gradient de pression hydrostatique. Et donc, vous avez une répartition des fluides dans l'ensemble de l'organisme qui est différente de celle que vous connaissez au sol, avec cette impression de tête gonflée, de visage bouffi, comme le disaient les astronautes, voilà, visage bouffi, mais on ne voit plus les rides. C'est vrai pendant les premières 24 heures. Donc voilà, c'est plutôt ce sentiment d'inconfort de la phase d'adaptation. Moi, j'ai essayé de me plonger dans ce nouvel environnement le plus vite possible, pas d'essayer de me cramponner avec des références qui étaient celles que j'avais pu avoir à l'entraînement, mais plutôt plonger avec curiosité, appétit, désir de découvrir ces nouvelles conditions. Et puis moi, j'ai été complètement épatée comme médecin et physiologiste par les capacités fantastiques du corps humain à s'adapter à cette situation. Donc, pas d'effet de longue durée, ces effets de courte durée sur les 24 heures. Et je dirais qu'au retour d'une mission, ce qui m'a frappée, c'est d'une part retrouver des odeurs de la terre à l'ouverture de l'écoutille. Ça, j'ai trouvé ça très agréable de retrouver ces odeurs et ces bruits terrestres, mais surtout le poids. Revient d'un seul coup, il n'y a pas de poids ressenti pendant toute la durée de la mission, et au retour au sol, voilà, le poids est là, tout pèse très lourd, et il vous faut quelques dizaines de minutes ou heures pour retrouver tout ce qui va vous permettre de retrouver votre posture, votre équilibre, votre façon de marcher, de vous déplacer. Ça va très très vite en moins de 24 heures pour un vol de courte durée, c'est bien évidemment beaucoup plus long et progressif en récupération pour les vols de longue durée. Michel ? Oui, je suis d'accord avec Claudie, hein, tout ce que Claudie a raconté, tout à fait ce que je ressens, hein, les odeurs, l'adaptation là-haut, les 24 heures qui sont un petit peu difficiles, le visage bouffi. C'est vrai que c'est mieux de voler quand on est âgé parce qu'on a plus de rides, donc les rides disparaissent et c'est spectaculaire. Mais c'est vrai que le poids aussi très très lourd. La première nuit où j'ai dormi à la Cité des Étoiles après mon premier vol, j'étais dans un lit au prophylactorium et en me retournant, mon bras sort du lit. Hein, ça arrive parfois quand on se retourne, on a le bras qui sort du lit et mon bras est tombé en bas du lit. J'ai cru qu'il allait s'arracher. Donc le bras, il pesait une tonne. J'ai vite tenu mon bras ayant peur qu'il s'arrache de mon épaule, mais il ne s'est pas arraché. J'ai toujours mes deux bras, donc c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Pour compléter ce que Michel vient de dire sur sa première nuit, moi j'ai aussi un souvenir de la première nuit après le retour, avec effectivement ce corps très pesant dans le lit. Et par contre, on est bien évidemment bardé d'électrodes pour électrocardiogramme, encéphalogramme, avec des tas d'appareillages qui sont autour de nous. Et je n'ai pas arrêté de me réveiller cette nuit-là avec des cauchemars où tous ces appareillages flottaient autour de moi, alors que moi, j'avais un corps pesant, coincé au fond du matelas. Et par contre, je me réveillais sans arrêt pour essayer de remettre sur le matelas les choses qui s'envolaient autour de moi. Cette dissociation entre le corps pesant et les objets encore en microgravité. Très bien. Alors, j'ai une question qui a été à peu près similaire de la part d'Aurélie et de Pierre-Yves, donc j'ai rassemblé. Quel est le moment le plus intense que vous gardez de votre carrière ou au cours de vos missions spatiales? Pour ma part, j'ai toujours du mal à répondre précisément à cette question et j'évoque toujours trois éléments qui sont pour moi des souvenirs et des sensations extra-ordinaires, extra-terrestres, hein, puisqu'on est 575 privilégiés à être allés en orbite. Je crois qu'on en est à peu près là aujourd'hui dans les comptes, donc on est peu nombreux à l'avoir vécu. Je dirais, je l'ai déjà évoqué, ce corps en microgravité, donc cette liberté du corps qui ne pèse plus rien, ces potentiels révélés de choses qu'on arrive à faire en microgravité, les super pouvoirs dont parle Thomas Pesquet, parce que voilà, il y a des choses qui nous sont possibles, qui ne nous étaient pas possibles au sol, donc tout cet élément autour des sentiments corporels.
Le deuxième élément, eh ben, c'est la vie en équipage. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique de partager avec des Russes, des Américains, ces séjours en orbite, cette interaction avec le sol, cette façon de travailler, de réussir la mission, d'être dans la solidarité, la résolution de problèmes ensemble, en étant chacun un individu complémentaire à la réussite de la mission, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession. J'ai trouvé ça absolument formidable. Je trouve qu'il y a peu de situations au sol où on est dans cette coopération internationale et cette diversité des profils qui travaillent pour le succès. Et puis, bien sûr, je garde le troisième élément pour la fin. Et vous pouvez l'imaginer en voyant la coupola derrière moi, eh bien, ce regard en orbite à distance, à 400 km par le hublot sur cette planète bleue et blanche, magnifique, dont on fait le tour 16 fois par jour, puisqu'on est à 28 000 km/h, et une orbite, c'est 90 minutes à l'altitude des stations spatiales internationales. Et ça, alors vous l'imaginez, dans cette euphorie d'une mission qu'on attend depuis aussi longtemps, un corps qui pèse plus rien, cet état de contemplation absolument fasciné. Et ce regard par le hublot, oui, bien évidemment. Tout ça ensemble fait que je le dis, c'est extraterrestre. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question très intéressante de Stéphane qui nous dit « Bonjour Claudie, bonjour Michel. Comment prépare-t-on sa famille à son absence lors d'un vol spatial, court ou long ?» Michel, peut-être ? Alors, moi, j'ai fait un vol court, j'ai deux vols courts, donc je n'ai pas eu de gros problèmes là-dessus. Maintenant, sur les vols longs, la préparation de la famille est assez importante. Nous avons une cellule Family Support, support famille, chez les Américains, chez les Européens. Et nous avons même des techniciens, des ingénieurs qui sont là pour préparer les familles. Et nous avons même des psychologues qui préparent les familles à l'absence. Donc, chaque vol de longue durée aujourd'hui va prendre un entraînement qui va durer presque 3 ans. Cet entraînement est suivi avec des échanges réguliers avec des psychologues qui vont suivre l'astronaute pendant le vol et après le vol aussi. Ça, c'est une grande nouveauté que nous avons fait depuis 20 ans, c'est qu'on inclut plus les psychologues dans la gestion du vol. Et ces psychologues s'occupent de l'astronaute, mais également de la famille. Et nous avons également des techniciens. Par exemple, quand j'étais responsable à Cologne, j'avais des techniciens qui allaient installer l'ordinateur chez certaines familles. À l'époque, on commençait juste, vous savez, avec les ordinateurs, donc les familles n'étaient pas familiarisées avec Skype, avec les moyens de communication. Et vous savez que dans l'ISS, nous avons un réseau de données assez important, on a des antennes qui sont très, très puissantes, et donc on a la possibilité de faire Skype avec sa famille régulièrement. Donc, on peut communiquer avec sa famille lorsque l'astronaute est dans l'espace et que la famille est au sol. Et également, si on a besoin, si la famille est au sol avec un problème à résoudre, nous avons des techniciens qui vont voir la famille pour les aider à réparer quelque chose qui est cassé à la maison ou autre chose. Donc, on ne les laisse pas tomber. On s'occupe également des familles. Et ça nous a aidés parce que quand l'astronaute part en vol, il sait que même s'il y a un problème et qu'il ne peut pas physiquement le faire, il n'est pas obligé de chercher lui-même un copain qui va s'occuper de régler le problème, mais on a une cellule qui va s'occuper de ça. Donc, il nous téléphonait ou la famille nous téléphonait et on envoyait le support nécessaire. Oui, je concours à ce que vient de dire Michel, avec une situation particulière dans mon cas, puisque mon mari est astronaute aussi, hein, Jean-Pierre Aigneret, qui a volé juste après Michel, et puis en 93 et 99. Et j'ai donc, en particulier pendant son vol de 99, qui était une mission de 6 mois, pour laquelle je m'étais entraînée comme doublure, mais moi, je n'ai pas volé, je suis restée au sol, et j'étais donc la femme de l'astronaute qui volait. Et j'ai senti à quel point c'était important, effectivement, d'avoir ce soutien des équipes, du médecin d'équipage. Et je jouais moi-même aussi ce rôle de soutien avec l'épouse du commandant de bord qui était en mission avec Jean-Pierre. Et c'est vrai que c'est important de savoir que des gens peuvent vous apporter des réponses, peuvent vous apporter des conseils et des soutiens techniques. Parce que quand on évoque la Station spatiale internationale, aujourd'hui, il y a la possibilité d'être en lien avec l'équipage. Mais pour nous, astronautes du siècle passé, du siècle, du XXe siècle,
Moi, j'ai quand même souvenir d'avoir installé une antenne radio amateur pour entrer en communication justement avec Jean-Pierre qui était à bord en 99 de la station Mir à la fin de sa vie où les communications étaient quand même complexes avec le sol et où il n'y avait pas tellement de moyens pour les familles d'entrer en contact avec la station. Mais ces épisodes de radio amateur, c'était, là aussi, ça fait partie de l'aventure et c'est des très bons moments maintenant à distance. C'était peut-être difficile à l'époque, mais c'était des bons moments à distance. Nous avons une question de Sylvie qui nous dit « Tout est préparé, minuté, briefé. À quoi ne vous attendiez-vous pas ? Une anecdote surprenante ?» Moi, je peux répondre à mon premier décollage. Donc, on a un entraînement. J'ai fait quand même 2 ans d'entraînement pour une première mission où j'étais remplaçant. Et après, j'ai fait mon deuxième entraînement qui a duré 1 an et demi. Donc, j'avais fait 3 ans et demi d'entraînement. Et la moitié, c'est au simulateur quand même. Donc, le simulateur simule beaucoup de choses. On simule les pannes et chaque mission au simulateur, c'est beaucoup de pannes qui sont superposées. Donc, c'est toujours assez compliqué. Ça se termine quand on est en scaphandre et que le scaphandre gonflé parce qu'on est en dépressurisation, on a eu le feu. Enfin, on a beaucoup de choses, beaucoup de malheurs hein, pendant toutes ces missions. Et le jour du décollage, bien sûr, la mission se passe bien en général. Elle se passe toujours très bien. Et j'étais assis. On s'installe dans la fusée, dans le vaisseau. On s'installe 2 heures et demie avant le décollage. Donc, on s'installe bien et on s'installe longtemps à l'avance pour aller lentement, pour ne pas se précipiter, pour ne pas déchirer le scaphandre ou pour ne pas abîmer le vaisseau. Et donc, moi, j'étais installé sur la partie droite du vaisseau, le commandant au milieu et l'ingénieur qui était Abdieff était sur le côté gauche. Et puis, on fait toutes les vérifications, on communique avec le sol, on communique avec tout le monde, on fait des messages qui vont bien, etc. Et il reste à peu près 35 minutes où là, c'est un peu plus tranquille, juste avant le compte à rebours. Et pendant ces 35 minutes, j'entendais des coups dans la fusée, des coups de marteau dans la fusée. Coup de marteau, j'entends un premier coup de marteau, et Claudie doit s'en souvenir aussi, premier coup de marteau. J'ose rien dire, parce que si vous dites quelque chose, ça veut dire que vous avez peur. Alors, premier coup, je ne dis rien. J'entends un deuxième coup de marteau assez fort. Je dis, là, ils vont casser la fusée, je ne sais pas ce qu'ils font, il y a des gens qui tapent dessus, ce n'est pas possible. Et au troisième coup, je me retourne vers mon commandant bord. Je lui dis, avec une voix que je fais en sorte que la voix n'était pas stressée, je lui dis, mais c'est normal, c'est ce qu'on entend là dans la fusée, je n'étais pas au courant de ça. Il dit, Michel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas des coups de marteau, ce sont des contacts pyrotechniques qui se séparent de la fusée, donc chaque alimentation de la fusée se sépare avant le décollage, donc c'est des pyrotechniques et ça fait un bruit assez fort, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez que même si on a fait l'entraînement de façon parfaite, il restait encore une chose que je n'avais pas vraiment anticipée, c'est les petits bruits avant le décollage. Et bon, c'était mon anecdote. Donc j'avais fait la remarque et je ne voulais pas la faire parce que chaque remarque avant le décollage prouve qu'on n'est pas tout à fait serein. Je vais compléter sur un autre aspect par rapport au programme scientifique, les expériences qu'on mène à bord. On les prépare au sol, les scientifiques, les ingénieurs ont préparé des superbes instrumentations, des super protocoles, on a révisé les procédures, on est censé savoir exactement ce qui va se passer, le signal qu'on va voir apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Et voilà, j'avais une manip sur la physique des plasmas, où on faisait varier température et pression, et on déroulait tout un protocole, et j'étais censé voir apparaître sur l'écran de l'appareillage, de la manip PK4, telle et telle image, et puis rapporter au sol ce que je voyais. Et bien évidemment, ce que j'ai vu sur l'écran n'était pas du tout correspondant à ce qu'on m'avait dit que j'allais voir apparaître. Donc là, j'ai commencé à culpabiliser en me disant je me suis trompée de réservoir, de pression, de température dans ma façon de dérouler le protocole. J'ai tout revérifié, mais non, je ne m'étais pas trompée nulle part. En fait, les scientifiques étaient perplexes aussi par rapport à l'image observée. Et c'est tout simplement parce que, ben voilà, on a des modélisations au sol, des façons de penser, des hypothèses scientifiques ou de développement technologique qui sont parfois chahutées et challengées par l'absence de gravité. Et c'est simplement après 24 à 48 heures que les scientifiques ont dit, mais non, c'est une forme de découverte. Voilà, quelque chose qu'on n'avait pas pensé voir apparaître et qui apparaissait. Et ça, c'est aussi ce qui est surprenant et magnifique dans cette science qu'on réalise à bord de la Station Spatiale Internationale. Il y a des choses qui apparaissent, qui sont dévoilées, qui sont surprenantes, et que malgré tout ce qu'on a pu intellectuellement imaginer dans les protocoles de départ,
voilà, se passe pas tout à fait de la façon dont on les attendait. C'est un peu surprenant quand on est l'astronaute jugé sur sa compétence à mener la manip et que ça ne se déroule pas comme prévu. Mais le imprévu était là, un inespéré. Très bien. Alors, on va amorcer la transition vers le dernier sujet, qui est les vols au-delà de l'orbite terrestre. Et on a Gaspard qui nous demande quelle quantité d'eau est nécessaire par personne pour un vol Terre-Lune et comment est-elle recyclée? Ah, j'ai fait un calcul, je trouve 560 litres. Par personne? Non, non, au total. Au total. Si on prend le scénario de la mission Gateway avec une mission de 40 jours, 4 astronautes, 5 litres de consommation par personne, dont 1,5 litre qui est régénéré, ça fait donc 3,5 litres, et bien au total, ça fait 560 litres et ça correspond à un tiers de progrès. D'accord. Je ne sais pas si Claudie est d'accord pour le calcul. Mais... Ah, je n'ai pas fait le calcul, je te remercie de l'avoir fait, Michel. Non, mais c'est vrai qu'il faut insister sur cette notion de recyclage, hein, et d'une espèce d'économie circulaire qui est essentielle, bien sûr, avec la Station spatiale internationale, mais on sait, comme le disait Michel, qu'il y a des cargos de fret qui peuvent venir compenser l'eau, qui peuvent venir compenser de l'apport en oxygène. Et puis des matériaux qui pourraient être utiles. Quand on envisage effectivement la Lune, la surface lunaire, voire la surface martienne plus tard, bien évidemment, il n'y aura pas des transports aussi accessibles et faciles pour amener du fret par des cargos. Donc ce sujet du recyclage, d'une économie circulaire, de la gestion des déchets, de la purification de l'eau, de l'extraction d'oxygène à partir des ressources in situ. Par exemple, sur la Lune, c'est ce à quoi on pense aujourd'hui. D'où va-t-on extraire cet oxygène? Donc, forer les glaces d'eau au niveau des pôles qu'on peut, par électrolyse, permettre d'obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène, ou au sein du régolithe même, cette poussière lunaire, savoir qu'il y a de l'oxygène. Voilà, toute cette thématique du recyclage est quelque chose qui va être de plus en plus important, le plus on s'éloignera bien évidemment des zones plus accessibles aux moyens de transport spatiaux d'aujourd'hui. Très bien, on va en venir au sujet qui a soulevé beaucoup de questions, qui était le sujet de Mars. Et donc Théo nous demande, hormis le défi, qu'est-ce qu'un vol habité vers Mars peut nous apporter de plus que les rovers déjà très sophistiqués? Claudie ou moi, comme vous voulez. Hein. Moi, je peux commencer, puis Claudie, tu compléteras, ou bien tu veux commencer, Claudie? Non, vas-y, je complète. Donc, moi, je pense que les rovers font des missions très sophistiquées, mais quand même, elles sont quand même des missions lentes. Aujourd'hui, on voit bien que les rovers font des très belles photos sur Mars. On a des choses qui sont vraiment extraordinaires faites par ces rovers. Moi, je suis admiratif, notamment de l'atterrissage qui est fait avec la grue et puis le contrôle juste avant le toucher du rover sur Mars. Néanmoins, le rover ne peut pas tout faire et il y a des tâches que nous devons improviser in situ lorsqu'on est sur Mars. Et ça, c'est vraiment la capacité de l'être humain de le faire. Je pense à une tâche assez précise qui est de creuser la croûte martienne pour trouver de l'eau liquide et pour analyser cette eau liquide et trouver des bactéries qui seraient éventuellement semblables aux bactéries terrestres. Eh bien, le creusage, par exemple, quelque chose qui a l'air simple, mais qui est complexe à faire par un système automatique. Et donc, il y aura certaines missions qui seront obligatoirement faites par des êtres humains. Après, si on se transporte beaucoup plus loin, il est évident que moi, je crois que... Les missions que nous avons sur l'ISS sont des missions qui nous préparent pour aller sur la Lune. Et là, on va faire, sur ces missions lunaires, dans les prochaines années, on va faire des études qui vont être assez bouleversantes sur les mesures de radiation et comment se protéger des radiations. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours resté en orbite basse sous les ceintures de Van Allen. Le mot Van Allen est bien trouvé d'ailleurs. Mais on est protégé par ce champ électromagnétique terrestre. Et donc, on a moins de radiation que si on allait vraiment sur la Lune. Donc là, on va commencer ce cycle de missions un peu plus longues vers la Lune, qui vont durer environ 40 jours, pour étudier comment se protéger de ces radiations. Et c'est après quoi que nous pourrons aller vraiment sur Mars lorsqu'on aura cette protection des radiations vraiment efficace. Pas tellement dans les cycles bas des radiations, des émissions du Soleil, mais surtout
pour se protéger des éruptions imprévues du Soleil qui sont assez dangereuses pour les astronautes. Donc, ces missions sur Mars vont se faire dans ce siècle, je ne veux pas donner de date précise, mais à très très long terme, il est certain que je suis persuadé que l'être humain dépassera le système solaire pour aller vers d'autres exoplanètes. Donc, ça va être des voyages extrêmement longs. Et pour se préparer à ces voyages hors du système solaire, bien, la seule planète tellurique accessible où la vie en scaphandre serait faisable ou bien en semi-enterrée serait faisable, c'est quand même Mars. Il n'y a pas d'autre endroit à part Mars ou à part certains satellites naturels de nos planètes du système solaire ou des astéroïdes, par exemple. Il n'y a pas d'autre endroit où on puisse aller lointain à part Mars. Donc Mars, c'est un objectif qui est vraiment très important pour notre système solaire et qui sera également la meilleure préparation pour un voyage que nous ferons peut-être dans 1000 ans ou dans 10 000 ans pour aller vers d'autres systèmes solaires, rejoindre les exoplanètes que nous avons déjà identifiées. Ah, Claudie, on ne t'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez ? Parfaitement. Non, ok. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que sur mon écran vient d'apparaître, regardez en live, SpaceX qui va lancer son SN11, son Starship. Et c'est ça qui a dû couper mon micro. Donc ça, c'est important. Hein, le vol d'essai de SN11 est prévu pour cet après-midi. Donc après la conférence, allez tous regarder si SN11 réussit son test. Pour compléter ce que vient de dire Michel, d'abord la connaissance de la planète Mars et effectivement cet objectif fascinant d'aller voir s'il n'y a pas des traces de vie d'une forme quelconque dans une planète qui a été très proche de la Terre il y a des milliards d'années, ça c'est l'objectif. Alors aujourd'hui on y va avec des sondes, des rovers et une instrumentation automatique parce qu'on n'est pas prêt du tout pour de multiples problèmes physiologique, de radiation, ça a été évoqué, psychologique et de moyens de propulsion d'y envoyer des équipages, ça sera pour un petit peu plus tard dans ce siècle. Mais le rover, le robot, même s'il est très très performant, a quand même des manques, je dirais, par rapport à ce que l'homme peut adjoindre à cette expérimentation. L'homme est capable d'intuition, le robot ne l'est pas. Donc, aller vers tel ou tel endroit et penser que c'est un lieu d'intérêt, voilà, l'homme en direct ça sera beaucoup plus efficace pour le faire. La dernière mission sur Apollo sur la Lune, il y avait un géologue à bord et on dit toujours que c'est là où les retours d'échantillons ont été les plus précis et utiles à la science qui est en train de se faire. Donc cette intuition humaine, cette capacité de détecter, probablement d'aller vite aussi. On voit à quel point leur persévérance n'a pas encore beaucoup bougé, mais curiosité bouge, mais quand même pas très très vite. Donc il y aura probablement dans l'avenir des possibilités d'aller plus vite. De toute façon, cette exploration, elle sera, je l'espère, avec l'interface la plus ergonomique et la plus intelligente possible entre la machine, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et ça, on l'apprend. Par exemple, le CIS lunaire va nous permettre de travailler en interaction avec des rovers qui sont sur la surface de la Lune pour arriver à les piloter à distance avec le plus de précision. Et le sujet sur Mars par rapport à ce pilotage à distance, que ce soit depuis la Terre ou depuis une orbite, c'est le délai de communication qui fait que voilà, on ne peut pas réagir, on ne peut pas être dans une réactivité immédiate par rapport à ce que ferait un robot, un rover. Donc il y a plein de raisons que le complément de l'homme apporte une dimension supplémentaire et un succès pour cet objectif scientifique qui est majeur sur la planète Mars. Et puis je rajoutais bien évidemment la présence de l'homme, son incarnation de l'aventure. Moi je suis de la génération Apollo, voilà, c'était l'homme sur la Lune, c'est ça qui m'a fait bouger de mon siège d'étudiant et de médecin pour devenir astronaute. Et je pense que l'homme présent dans l'aventure est quelque chose qui est très mobilisateur, qui fait partie de ce qui nous inspire et de ce qui fait aller de l'avant, dont l'homme sera dans cette aventure, l'homme avec un grand H, hein, et excusez-moi, bien évidemment, homme et femme, et c'est pour un peu plus tard. Voilà. Je ne pense pas que la sélection des astronautes de l'Agence spatiale européenne, qui commence demain, verra des astronautes aller poser premier pied sur la,
sur Mars, mais sur la Lune, oui, sans doute. Alors, j'ai une question de Patrick, à laquelle vous avez partiellement répondu quand vous avez parlé de radiation. Mais pensez-vous que les voyages vers Mars seront possibles en toute sécurité pour la santé des astronautes? Ou est-ce qu'ils présentent des risques particuliers? Peut-être Claudie Bien évidemment, ça a été évoqué par Michel, on est bien au-delà de la magnétosphère et donc on n'est pas protégé comme on l'est encore en orbite basse par rapport à ces flux de radiation solaire ou galactique cosmique. Et donc, c'est une problématique importante. D'ailleurs, pendant la mission Alpha de Thomas Pesquet, là, qui va démarrer le 22 avril, il y a une manip pour, avec un dosimètre Lumina qui va permettre de préciser, de donner beaucoup plus de précision sur les radiations, mais en orbite basse. Après, sur les sondes qui sont actuellement sur la Lune et puis sur Mars, eh bien, il y a des détecteurs précis pour savoir quel type de radiations sont reçues. L'interaction de ces radiations avec les cellules du corps humain, avec le système immunitaire, c'est une problématique de recherche et de physiologie qui est portée depuis longtemps sur les missions en orbite basse, avec des variations selon la durée d'exposition ou la durée cumulée d'exposition. Mais effectivement, pour Mars, on n'a pas tous les éléments, c'est un des problèmes majeurs. Donc, il faut penser à ce qui est la protection de l'astronaute dans son habitat, sur la Lune aussi, avec de l'eau, avec des matières, avec ce qu'on pourra mettre pour protéger éventuellement des habitats en dessous de la surface. Sur la Lune, on envisage d'installer des habitations dans les cavités lavaires sous la surface de la Lune, qui peuvent être une façon de se protéger des radiations. Donc, c'est une problématique. Et je sais qu'il y avait une question qui abordait le fait que peut-être on allait être obligé d'augmenter un petit peu l'humain qui va aller de plus en plus loin dans l'exploration, avec même le mot transhumanisme, je crois, avait été écrit. Alors, je ne pense pas qu'on aille vers ce que j'appelle pour moi des dérives d'une immortalité et d'une invulnérabilité qui ne sont pas compatibles avec l'éthique humaine, mais par contre, qu'on arrive à affiner des critères sur la sensibilité aux radiations, qu'on arrive à trouver des façons de se protéger, ou des façons de choisir le meilleur âge. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on va progresser aujourd'hui, mais après, il faut trouver des moyens de protection passive, bien évidemment. Bien, nous allons prendre une dernière question. Alors, nous avons une question de Guy qui nous demande: que pensez-vous des planètes artificielles? Bon, Claudie, tu réponds, je réponds alors. Non, je dis bonjour à Guy Pignolet. D'accord. Je salue également Guy Pignolet. Alors, les planètes artificielles ont déjà commencé, puisque nous avons eu toute la série des stations Salyut, que je considère comme des planètes artificielles métalliques, de taille de plus en plus grande. Mir était également une planète artificielle, et l'ISS est une autre planète artificielle. Et nous sommes sur le point d'en lancer une autre autour de la Lune. Donc, il y aura plusieurs planètes artificielles, moins grandes que celles de Stanford, bien sûr, mais c'est un premier pas aujourd'hui. Elles sont habitées avec 6 personnes. On a réussi, je crois, le maximum était 13 personnes sur l'ISS. Donc, on commence tout doucement. Mais avoir des planètes artificielles, c'est juste des façons d'attendre. Le but pour nous, ce n'est pas tellement d'être dans une planète. Par exemple, si on fait une station comme le Gateway qui est autour de la Lune, c'est pour se poser sur la Lune. Et si on a une station qui sera autour de Mars, c'est pour aller se poser sur Mars. Mais c'est vrai que d'avoir des planètes relais sont intéressantes. Et moi, je fais toujours référence avec le projet de Von Braun qui avait écrit en 1949 le chemin pour aller vers Mars. C'était un chemin où on partait de la Terre vers l'orbite basse terrestre, et de cette orbite basse terrestre, rejoindre l'orbite martienne, l'orbite sur Mars, bien sûr, et après se poser sur Mars avec un remorqueur spatial qui, lui, donne l'avantage d'avoir une efficacité très, très bonne comparée avec un lanceur qui ferait, comme Apollo, par exemple, le lancement direct de la Terre vers la Lune. Donc, ce transfert d'orbite par des planètes artificielles ou par des stations spatiales artificielles est un programme intéressant. Maintenant, si on parle de voir des planètes artificielles de taille importante, du type 500 ou 1000 personnes,
Ça, j'y crois pas trop. Je pense que si on veut mettre 1000 personnes sur la Lune ou sur Mars, il faut les mettre sur les planètes consistantes. Mais faire des planètes très, très grandes, c'est quand même complexe. Mais je prends aussi en référence un autre projet qui est un peu lié au Stanford Torus, qui est une ceinture de stations spatiales solaires qui serait en orbite géostationnaire autour de l'équateur à 36 000 km. Et ces stations seraient un peu plus grandes que celles de l'ISS, bien sûr, des stations qui feraient à peu près 5 fois l'ISS, mais avec des panneaux solaires importants. Et ces panneaux solaires pourraient envoyer l'énergie vers l'équateur. Et c'est une expérience que connaît bien Kipinolet, puisque le transfert se fait par micro-ondes, a été validé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc il y a quand même, si on considère cette chaîne de stations spatiales solaires pour avoir de l'énergie électrique sur Terre, c'est un programme qui est vraiment très coûteux, mais ça correspond déjà à une forme du Stanford Torus. Oui, alors je vais rebondir sur ce que dit Michel, parce que c'est Laurent Dussault qui, au début de l'intervention, disait que voilà, on allait parler beaucoup d'astronautes, de volabilité, mais que le milieu du spatial, c'était aussi plein d'autres métiers passionnants, de chercheurs, d'ingénierie. Et quand j'entendais Michel parler de ces sujets, je me disais qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, qui sont passionnants, qui sont bien évidemment le droit de l'espace et la réflexion humaniste sur l'exploration habitée. Et puis les architectes, on n'a pas parlé des ingénieurs architectes. Et pour ceux qui sont intéressés par cette pensée des villes du futur extraterrestre ou planète extraterrestre, je conseille d'aller regarder le site de la Fondation Jacques Rougerie. Ce n'est pas de la concurrence avec la Fondation Van Allen. Je suis participante des deux et je trouve que ouvrir justement les écosystèmes et les cultures, c'est fantastique. Et Jacques Rougerie fait un concours international d'architecture tous les ans, dont un des éléments est espace et architecture. Et si vous allez sur le site et vous regardez les projets qui ont été soit primés, soit présentés, vous en verrez plein, des torts de Stanford, des architectures tout à fait passionnantes. Il y en a qui sont complètement du domaine de la science-fiction, puis il y en a qui ont des bases architecturales d'ingénierie déjà bien, bien travaillées. Voilà. Et je voudrais rajouter quelque chose sur une des questions qui était posée au début sur l'échec, la gestion de l'échec personnel. Et bien là, je lis en direct par une question qui a été posée, que SN11 a décollé et a explosé à l'arrivée, encore une fois. Donc, encore un échec. Et c'est transmis par mon bon ami Philippe Dourneau, qui est le directeur de la Cité d'Espace à Toulouse. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il faut savoir rebondir à tout niveau quand on a un échec personnel ou dans sa société. Et je suis sûr qu'ils sont en train de préparer SN12. Bien, nous arrivons au terme de cette conférence virtuelle. Je voudrais encore remercier nos deux astronautes pour le temps qu'ils nous ont consacré. Il me reste à remercier l'équipe de la Fondation Van Allen, sans qui rien n'aurait été possible. Isabelle, Caroline, Amy, Christophe et Lorenzo. Et pour conclure, je vais laisser la parole à M. Jean-Claude Guessot, ancien ministre et président de la Fondation Van Allen, qui met absolument toute son énergie et sa bienveillance au service de la Fondation et sans qui rien n'aurait été possible. Monsieur le Président. Bien, je peux demander l'augmentation. D'abord, sincèrement et chaleureusement, je veux, à l'issue de cette conférence que j'ai suivie de bout en bout, et si elle avait duré encore une heure, j'aurais été encore plus heureux, parce qu'il y a tellement de questions qui nous viennent de partout. Vous remercier Claudie Agnoret, notre marraine d'honneur, et Michel Tonini, notre personnalité qualifiée au conseil d'administration de la fondation que j'ai l'honneur de présider. Je veux tout aussi sincèrement et chaleureusement remercier Philippe Auger, le président de l'université, et Laurent Dussault, qui a été notre médiateur, mais qui, par-delà le médiateur, est le directeur du Centre spatial universitaire de Montpellier, et leur mobilisation dans cette période difficile pour soutenir nos étudiants. Parce que le point de départ de cette démarche a été ce souci que nous avons justement de donner, comment dirais-je, par rapport à nos étudiants
eh bien, des perspectives, non pas de repli, mais d'avenir par rapport à leurs propres études, leur propre avenir. La fondation n'a pour but que d'aider justement à cette formation d'étudiants de chez nous et étrangers, et aussi à contribuer avec ses membres fondateurs, ses partenaires, ses mécènes, à l'équipement du Centre spatial universitaire de Montpellier, qui, comme vous le savez, est particulièrement performant. Et je veux saluer tous les étudiants et professeurs qui se mobilisent en souhaitant, et je crois que Claudie me soutiendra dans cette démarche, parce que je la soutiens dans la sienne, qu'il y ait de plus en plus de filles, comme le souhaite Claudie, qui se mobilisent et en pensant espace, pas dès l'université, pas dès le lycée, mais dès le collège, qu'on puisse porter cette idée et que l'espace comme enjeu économique, comme enjeu scientifique, comme enjeu philosophique, est l'espace qui fait rêver les filles et les garçons. L'espace où l'Europe doit garder et prendre sa place. Et ce que vous avez dit dans les réponses aux questions, vraiment, monsieur, me va bien, parce que c'est sans chauvinisme, mais sans déclassement par rapport aux États-Unis ou à la Chine. La conquête de l'espace, c'est l'universel. Pas de place au nationalisme étroit. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour, comme vous, j'en suis sûr, féliciter Thomas Pesquet, qui est venu il y a un an et demi, disons, tenir une conférence grand public à l'université de Montpellier. L'espace où l'aventure humaine, et je crois que c'est Claudie qui a utilisé ce terme-là, participe à l'émancipation humaine. Merci Claudie, merci Michel, merci à toutes et à tous. Merci, Président, pour cette conclusion forte. Merci beaucoup et on a été très heureux de partager ces moments avec vous. Et longue vie à la Fondation Van Allen et à ses projets. Merci, Jean-Claude. Dans les questions posées, je vois qu'une question qui n'a pas été posée, c'est avec qui vous auriez aimé voler dans l'espace. Eh bien, je le dis officiellement aujourd'hui, j'aurais bien aimé voler dans l'espace avec Claudie Aigneret et avec Jean-Claude Guessot, qui sont des gens que je connais depuis très longtemps. Et je pense qu'on aurait fait un bon team. Et ça tombe bien parce que le Soyouz, c'est 3 personnes. Donc, il n'y a plus qu'à s'arranger entre nous pour savoir qui prend la place du milieu ou la place latérale. Mais tous les 3 dans un Soyouz, on ferait une mission superbe. Merci. Un grand merci à vous.